Ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce numéro spécial de SAP hivernal. C'est Noël, c'est la fête et on se rince les yeux. Je vous explique le principe de l'émission, il est très simple. C'est une émission que je fais depuis plusieurs années maintenant en partenariat avec Foodshop. Je fais une sélection de SAP sur leur site et ensuite je vous les montre tout simplement. C'est surtout dans le but de vous faire découvrir Foodshop qui est le shop par excellence de République Tchèque. Donc ils vendent aussi bien des marques à bon prix et aussi bien des marques cotées comme Aaron Preston, Y3 par exemple, ou encore Cold World, etc. etc. Donc il y a vraiment beaucoup de marques très très sympas. Carhartt, Levi's aussi, des marques plus classiques, des marques de créateurs, etc. Ils ont énormément de marques, énormément de choses, d'accessoires, tout ce que tu veux, etc. etc. Et bien sûr, comme toujours dans le cadre de l'émission, on vous fait un code promo Foodshop. Là, vous avez 20% sur tout le site de Foodshop. 20% sur tout le site de Foodshop, bien sûr, hors promotion et raffle, ça va de soi. Le site de Foodshop, il y a des milliers d'articles. Noël arrive, vous avez peut-être des cadeaux à faire. Là, vous avez 20% sur tout le site de Foodshop. Allez jeter un œil, ça coûte rien. Le code, c'est TontonFS20, mais alors je vous dis tout de suite, il est valable que 3 jours. Il commence aujourd'hui, mercredi 9. Et il finit le 13, donc à vous de jouer, le lien direct est dans la description. Envoyez la force avec un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire. Oh yes mon frère. Là ils m'ont envoyé un énorme colis que j'ai vraiment du mal à le soulever. Voilà, il est là, il est très très bien rempli. Je leur ai fait une très grosse sélection, je vous présente que des choses que j'aime, je vous présente jamais de choses que je n'aime pas. C'est le principe de cette chaîne, c'est vous montrer des vrais produits, des vrais bails. On va ouvrir ça ensemble, hein. Comme vous le savez, je suis équipé de ma lame, très très bien aiguisée. Bien d'ailleurs, en parlant de SAP, en parlant de Foodshop, ils font un concours en ce moment, un concours outfit. Ça se passe sur le site de Foodshop, donc il faut que vous ayez un compte Foodshop. Bon, ça prend 2 secondes, c'est que dalle. Vous pouvez gagner 185€. Je vous mets le lien concours dans la description, vous vous laissez guider. Mais en gros, vous devez faire une wishlist sur le site. Ensuite, vous devez faire une tenue avec 6 articles que vous avez choisis. Et vous faites un profil pour le concours, etc. Et les gens votent pour la plus belle tenue. Vous pouvez voter aussi, etc. etc. Et chaque semaine, Foodshop choisit 3 gagnants et leur offre 185€ de ça pour se faire plaisir. Donc voilà, c'est un joli petit concours aussi, ça se passe sur Foodshop, je vous mets le lien direct en description. J'ai peur à chaque fois avec ce couteau là. Ah putain, il est vraiment lourd. Ça coupe comme du beurre. Ça, c'est pas de la rigolade. Donc voilà, déjà, je reconnais la boîte tout de suite, je sais déjà ce que c'est. Je vous montre un peu en même temps que moi, comme ça vous voyez. Voilà. Il y a beaucoup de choses à voir et on va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé ensemble. De la sape très lourde. Alors, on va commencer, voilà, petite casquette ACG. La dernière fois, j'avais eu la jaune, maintenant j'ai la kaki. Je suis habillé un peu en militaire, donc je vais la mettre tout de suite. Hein. Équipé ACG All Condition Gear. On commence bien, je suis content. C'est du paquet cadeau. La petite gourde Foodshop et Adidas. Ils ont fait une collaboration avec Adidas sur un modèle superstar qui est très réussi, très original, et donc ça va avec, hein. C'est cool, petite gourde calme, hein. Merci Foodshop. Si vous n'avez pas vu, la vidéo est sur la chaîne, très très belle paire. Une autre casquette, Y3, ça cote un peu plus, hein, au niveau du prix. Visière curve, Y3, ça pèse, hein. C'est très beau ce qu'ils font, c'est magnifique, c'est une branche de Adidas. Très belle casquette Y3, la casquette est très cool, merci Foodshop, ça tue, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est ACG, mais oui, bien évidemment, c'est une maille très particulière, très beau t-shirt. Très beau t-shirt devant. Vous voyez que c'est une belle trame, comme un jersey un peu. Et ça, c'est assez rare chez ACG, donc je trouve ça très cool. C'est une trame vraiment particulière. Encore un t-shirt. Ah bah, c'est le même en noir. Franchement, le t-shirt, il est magnifique. Hein. Le même en noir. Adidas. Adidas et Foodshop. La collab. C'est le t-shirt avec la paire qu'ils ont sorti. Voilà, la paire au dos. La blueprint. Très beau t-shirt que je mettrai avec la paire, évidemment. Et une petite broderie Adidas Foodshop. Est-ce qu'on se ferait pas une grosse pièce? Allez, on va se faire une grosse pièce. Ça aussi, c'est Adidas T-Rex. Une doudoune sans manche, camouflage. Avec ça, je suis équipé pour l'hiver. Je vais la mettre direct. Voilà. C'est réversible. C'est bien comme ça, mais je préfère comme ça. Poche intérieure, poche extérieure, double épaisseur, T-Rex. Alors T-Rex chez Adidas, c'est un peu comme ACG. C'est pour la randonnée, le tout-terrain, le outdoor. Donc c'est des vrais sapes, hein. C'est pas juste des belles sapes. C'est des sapes qui sont travaillées, testées en laboratoire, etc. Là, je vous le dis direct, j'ai chaud. Quand vous la touchez, vous sentez tout de suite la qualité du truc. Ça ne rigole pas. Une paire de chaussures Y3 Yoji Yamamoto.
Là, c'est une Y3 Kaiwa. Je vous ai déjà présenté cette paire-là. Donc, on est sur une paire semi-luxe de Adidas. Vous avez un sachet en satin Y3. On est vraiment sur des très, très belles paires. La Kaiwa, c'est une de mes paires préférées chez Y3. Je vous montre un peu en gros plan la paire. Donc là, on est dans une paire semi-luxe. Ça coûte assez cher, ce modèle-là. Et voilà, on est dans des paires assez chères, mais... on voit quand même le taf sur la paire, la différence. Et aussi, c'est des paires qui sont très confortables. Donc voilà, très original au niveau de la forme. J'adore vraiment ce modèle Kaiwa là. C'est vraiment un kiff. En plus, j'ai la casquette Y3 qui va bien. Hein. Même avec le T-Rex, ça va. Bon, là, il y a juste le pantalon qui va pas forcément bien aller avec. Mais c'est pas grave, les gars. Je suis pas dans le outfit pour cette vidéo. Là, je suis dans un style qui change un peu, là. J'aime bien changer de style, des fois. Ça, c'est de la belle paire, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce carton magnifique? Ça, c'est du Nike. Un crew neck. Un crew neck, c'est un sweat, hein, tout simplement. Noir, tout simple. Vous le savez, pour moi, un crew neck noir, voilà. Quand vous ne savez pas quoi mettre, si vous voulez quelque chose de simple, et ben regardez ce que j'ai, c'est ce que j'ai sur moi. Un crew neck noir. Ça passe avec tout, ça passe, c'est cool. Alors, il y a encore quelques années, mettre un sweat, c'était devenu quelque chose d'impossible. Et puis, c'est revenu. J'arrivais plus en mettre, je trouvais ça horrible. Et puis maintenant, j'adore à nouveau en mettre. Comme quoi, la mode, ça va, ça vient. Même si on parle plus de mode urbaine hein, avec les crewnecks. Quand même, restons raisonnables. On va ouvrir ça. C'est un pantalon ACG, c'est la nouvelle collection, la dernière collection All Condition Gear, la collection hiver. Et donc les pantalons ACG, vous savez que moi, c'est ce que je mets le plus. Hein. C'est techwear, vêtements techniques, outdoor. C'est mon délire, c'est mon style à moi, c'est ce que j'aime. En plus, ça se porte plutôt large. Vous voyez qu'il est très très large. Je vais le mettre quand même. Par contre, oui, j'ai une veste Adidas. Oui, j'ai une casquette Y3 et une paire d'Y3. Évitez de mettre du Nike et du Adidas ensemble. C'est pas très grave. Mais bon, c'est un peu comme si vous mettiez un shirt de l'OM et un maillot du PSG. C'est pas des choses qui se font normalement. Mais là, on essaye juste les vêtements, les gars. Donc, s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Merci beaucoup. On va juste... voilà. Pour l'été, je peux me faire un short. Voilà, c'est ça qu'on appelle des vêtements techniques, les gars. Des vêtements techniques, c'est des vêtements multi-usages. Donc, ils peuvent servir à plusieurs choses. Et regardez, ici, hop, vous vous accrochez et vous tirez. Voilà, c'est pas du tech... ça, c'est du techwear, les gars. Hop, double poche. Poche ici, poche là. All Condition Gear. Je vais mettre la paire de Y3 avec. Ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça à la maison. Et là, c'est juste pour la vidéo, hein. Ah là 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 là. J'aurais pas mis des chaussettes blanches là. Hein. Continuons, continuons, continuons. Un autre pantalon. Oh, Y3, mais je suis gâté. Effectivement, c'est Noël. Shop, merci beaucoup. Alors là, les gars. Là, on est plus dans le techwear, même si on y est un petit peu aussi. Mais on est quand même dans la... avec Y3, on est quand même dans les... la haute couture. Donc c'est un très beau pantalon. Je vous laisse voir là, la matière de plus près. Très très beau pantalon. Franchement, il est magnifique. Bah écoutez, je vais le mettre. Hein. Ah là 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 là. La qualité, la beauté de ce pantalon, c'est incroyable. On est dans le niveau au-dessus. Bon, ok, Y3. On va, c'est un peu cher, ça, c'est normal, je vous le cache pas. Mais alors, niveau qualité de sape, franchement, là, on est loin. On est très très loin. Vous voyez que c'est une coupe un peu japonaise. J'adore ce genre de coupe, c'est très prononcé. Pantalon Y3, casquette Y3. Je suis un très grand fan de Yuji Yamamoto. Tous les défilés, tous les trucs, toutes les collections qu'ils font. J'adore ça. Et chez Foot Shop, ils ont vraiment des très très belles pièces. Le pantalon, il est magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Le match, très important. Toujours avoir les bonnes paires de chaussettes. Être bien équipé. Trois paires de chaussettes Adidas, donc à porter avec du Adidas. Une rouge, une bleue et une verte. C'est très important les accessoires. C'est ça qui fait la différence. Je vais prendre le pull tout de suite. Donc là, on est dans du luxe, hein, les gars. Et donc, Helmut Lang, ça en fait partie. Helmut Lang, c'est une marque autrichienne. Je n'ai jamais parlé d'Helmut Lang sur cette chaîne. Alors, le créateur, il travaille plus chez Helmut Lang, ne travaille plus pour Helmut Lang. C'est pas grave, mais en tout cas, ils font vraiment des très belles sapes. Et à Noël, moi, j'aime bien avoir un petit pull dans le thème. Alors, par contre, j'ai plus le prix en tête. Mais un pull comme ça, c'est dans les 300-400 €, voire plus. Hein. On est vraiment dans du luxe. Là, je vous le montre, mais je vais le mettre. Une souris ou un chien, voilà, dessus. C'est un pull cool, en fait. C'est voilà, c'est juste une pièce cool et originale. J'adore ma tenue. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, j'ai un bonnet qui va dans le même truc. Hop, on va le mettre. Ça va peut-être faire un peu trop match, mais c'est pas grave. J'ai le bonnet qui va bien. Là, je vous cache pas que là, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce pull. Ah, cher, je vous l'accorde. Donc voilà, quoi. Je suis vraiment...
Voilà. Et je peux vous dire que le pull, on sent que c'est du Helmut Lang quand même, on le sent. Donc vous voyez, pour le concours de Foot Shop par exemple, il y a vraiment de quoi faire des tenues de ouf. C'est vous qui votez et 3 gagnants par semaine recevront 185€ à dépenser pour le mois de décembre pour Noël. Vous avez le lien direct en description. Alors ça, c'est la collection basique de Pharrell Williams et Adidas. Alors c'est basique, mais alors niveau qualité, rien que le pull, juste le poids du hoodie là. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est des pulls qui sont tout bleus, il y a juste écrit Human Race ici. Et là, je sais plus si c'est le... Vous avez tout, vous avez t-shirt, pull, jogging, shirt. Donc voilà, en qualité de malade, c'est des prix qui sont plutôt abordables. Donc c'est vendu en partie sur Foot Shop. Là, je sais plus si c'est le jogging ou le shirt. Voilà, c'est le jogging. Ok, style décontracté, mais je vais pas le mettre tout de suite parce que je vais faire un unboxing de la paire que je vais mettre avec Adidas Superstar. Oui. Ceux qui suivent mes sociétés W, vous savez, j'ai insisté sur une paire dernièrement parce que quand on collectionne les baskets, bon, déjà, faut savoir que la Superstar, c'est la paire historique, toute marque confondue, vraiment qui a apporté énormément de choses dans le sneaker game, faut le savoir. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos ou aller lire mon livre, voilà, qui est sorti aux éditions Larousse. Figurez-vous, c'est incroyable. Le lien de mon livre est dans la description. Et donc, il y a toute l'histoire de la Superstar. Et, forcément, il y a un groupe de musique qui est complètement lié à l'histoire de la Superstar et Adidas, d'ailleurs. Il y a l'explosion de Adidas dans le lifestyle. Voilà, c'est Run DMC. Et donc ça, c'est l'édition 2020 de la Run DMC, les 50 ans de la Superstar. Et donc s'il y avait une paire à avoir cette année, entre autres la Foot Shop par exemple, il y a la Run DMC. Voilà, tout simplement, avec les gros lacets. Vous pouvez la porter sans lacets aussi. Donc vous voyez, Run DMC devant. Voilà, une paire très classique. Cuir premium, c'est une paire à avoir dans une collection. Le Adidas très finement, je ne sais pas si vous allez voir sur le talon, qui est juste fondu dans le rouge. Écrit Superstar avec les bandes comme le logo de Run DMC, voilà. Donc une paire super classique de ouf. Je parle de la Superstar, hein. Moi c'était une paire à avoir par rapport au symbole qu'elle représente. C'est peut-être pas les paires les plus à la mode du moment, oui. Elles peuvent très bien le redevenir demain, ça c'est pas le problème. Mais il y a des paires comme ça à voir dans des collections et une Superstar en fait partie et encore plus une Superstar Run DMC. Je pense que ça ira bien avec l'ensemble de Pharrell Williams. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ouvert ça ensemble avec les Fat Laces, comme on appelle ça, les gros lacets, la Shell Toe. Donc c'était à la base une paire de baskets et donc ça c'était un renfort qu'il y avait sur les chaussures parce que les joueurs de basket avaient tendance à se marcher sur les pieds. Donc la Shell Toe, c'est ça, c'est la coquille qu'il y a devant, c'est pour ça que vous avez ça sur les Adidas Superstar devant. À la base, c'est pour que les basketteurs ne s'écrasent pas trop les orteils entre eux. Et vous pouvez retrouver cette anecdote dans le livre, bien évidemment. Grosse capuche comme on aime, un genre de sap à prendre vraiment large. C'est vraiment des saps pour être cool, pour chiller. Là, on va être dans le bon style. Là, je pense que le style va être juste. Je crois que j'ai une casquette qui va avec. Je pense que le bleu avec le blanc là, ça pète bien. Ensemble basique, Pharrell Williams, paire de superstars. J'ai trouvé une petite casquette dans ma collection qui va bien. Si j'avais voulu pousser, j'aurais été mettre les chaussettes qui vont bien. Il reste une paire dans ce carton. Mais non des moindres, je suis extrêmement content d'avoir cette paire. C'est une Air Jordan. Les plus aguerris d'entre vous reconnaîtront facilement la boîte. Air Jordan 4. Et il y a quoi comme paire de Air Jordan 4 qui est sorti ces derniers temps? Alors il y a eu la Sachiko. Et il y a eu, juste avant, la semaine d'avant, la Air Jordan 4 Fire Red, la classique OG. Première vraie réédition de la paire. Parce qu'en 2006, il y a eu une réédition, mais en version Mars Blackmon, avec la tête de Spike Lee sur le talon. Ensuite, il y a une réédition en 2012, qui est là, quelque part ici, voilà. Mais avec le Jumpman sur le talon. Et la voici avec le Nike Air sur le talon, sorti en 1989, dessiné par Tinker Hatfield, et c'est la première réédition, vraie réédition, depuis 1989. Bang ! Un véritable petit trésor, cette paire, c'est un vrai kiff. Un classique de chez classique, une paire à avoir dans une collection, un peu à l'image de cette Superstar, qui vont bien ensemble d'ailleurs. Du feu, merci Foot Shop, vous êtes au maximum, je suis trop heureux. N'oubliez pas que vous avez le code promotion de Foot Shop, 20% sur tout le site TontonFS20, qui est valable uniquement 3 jours, ça va très vite. Si vous avez des achats de Noël ou si vous voulez vous faire plaisir, c'est peut-être le moment sur Foot Shop. N'oubliez pas aussi le concours Outfit. N'oubliez pas de liker la vidéo,
mettre un commentaire. S'il vous plaît, dites-moi votre sap préféré dans les commentaires. Et dites-moi si vous allez participer au concours. Ou dites-moi simplement bonjour. Mais envoyez de la force, envoyez du feu. Je suis dans une chaîne qui est toujours sur une... quand même une niche, hein, la mode urbaine, les baskets, c'est pas une chaîne humoristique comme Squeezie, où je peux faire des gros titres et m'amuser, faire des trucs marrants. Déjà, je suis pas humoriste, donc ça risque pas de marcher. Donc voilà, c'est une chaîne spécifique, donc il faut la soutenir. D'autant plus que je pense pas que je suis dans le putaclicisme, comme on dit. Je remercie encore Foodshop, vous êtes vraiment au maximum, vous êtes vraiment la famille, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Comme d'habitude, je vous dis pas Foodshop, c'est les meilleurs, allez acheter sur Foodshop, je vous dis pas ça. Je vous dis juste, allez voir, parce que je ne travaille que avec des gens que je kiffe, et parce que j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils vendent, et j'aime leur état d'esprit. Allez voir sur Foodshop, et si vous voulez vous faire plaisir, allez vous faire plaisir, point. Et oui, j'ai changé de position, j'avais envie de changer de position, donc me voilà. On va se retrouver sûrement dimanche pour les sorties sneakers et sap de la semaine. C'est une émission qui est très très dure à faire, ça me demande énormément de travail. Voilà, quand je vous dis soutenez-moi les gars, c'est pas des paroles en l'air, parce que le travail que je fais pour ces vidéos-là, c'est... Encore il y a 3-4 ans, ça allait, parce qu'il n'y avait pas trop de sorties, il n'y avait pas trop de trucs et tout ça, mais maintenant ça devient... beaucoup trop difficile, difficile, difficile. C'est pour ça que je vous dis, likez les vidéos, envoyez les commentaires. Voilà, le soutien, la force, c'est très important pour moi. Et je sais que vous êtes derrière moi, je sais que, voilà, on est une vraie communauté. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est cool. Aussi, ne vous inquiétez pas, je sais que vous attendez à des concours pour Noël. Je devrais bientôt, sûrement, vous faire un très très joli concours avec une paire de malades à gagner. Alors, je ne vais pas vous dire laquelle parce que c'est pas encore confirmé. Mais voilà, ça devrait arriver très prochainement. Tout comme le Killer Outfit qu'on attend toujours, hein, le Killer Outfit, donc en partenariat avec la famille StockX qui doit arriver aussi, les gars. Ça va être très très lourd. Voilà, l'émission va être upgradée. Là, on va vraiment toucher la lune, toucher les étoiles, quoi, comme on dit. Merci à tous, portez-vous bien, faites attention à vous. Homemade!